C'est vous qui avez créé ces fichettes. Vous les arrêtez. Doucement, je vous ai dit, monsieur. Calmez-vous, monsieur. On vient pas rabier, là. Calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Oh, ça, là. D'accord. Ça suffit, monsieur, calmez-vous. Lâchez-moi. Je vous lâche, vous vous calmez, d'accord. C'est le gouvernement qui doit être traduit en justice. Vous vous calmez, monsieur. Tous les fiches S, on doit les expulser. C'est eux les responsables. Pas un candidat n'a parlé des morts à Nice. Le Bataclan. Et ça continue. Et hier, ils ont ouvert tous leur grande gueule. Parce qu'ils caressent dans le sens du poil les musulmans de France. Moi, j'étais musulman, je ne le suis plus. J'ai honte. Il faut traduire en justice tous les ministres de l'Intérieur, de droite ou de gauche. C'est une honte. J'accuse, comme le disait un écrivain français. Voilà, et ils viennent parader là sur le sang d'un policier qui a perdu la vie et qui a laissé une femme et un enfant. Moi, Farid, j'accuse tous les gouvernements. Ils sont responsables de tous ces musulmans et celui qui vous parle est musulman. Quand tu urbanes leurs femmes et qui matent nos femmes. Où est Madame Simone Veil, Madame Badinter, pour interdire cette connerie du foulard? Ces gouvernements, ces présidents qui vont serrer la main des Saoudiens, alors que la femme n'a pas le droit de conduire. Et on se dit, nous sommes à l'Elysée. Eh ben zut, alors j'ai honte.